C'est toi, Tommy? Tomangelo. Inspecteur Norman. Y'a que toi? Y'a aucun flic qui viendrait dans ce rat, sauf s'il bosse pour les services de l'hygiène. Alors, je vous sers quoi? Un café pour moi. Merci. Un petit whisky? Non, merci. Comme tu veux. Donc, au téléphone, tu disais que t'avais une proposition pour moi. C'est ça. Écoute, si tu cherches un ripou qui trempe dans des trucs louches, t'es mal tombé. Je cherche pas à me mettre en affaire. Bien. J'ai rien à partager. Je peux même pas payer ce café. Et j'ai quelques infos intéressantes. Ok, je t'écoute. T'es dans cette ville depuis quand? 3 ans. J'ai fait mes armes à Empire Bay. Et ils t'ont refilé l'affaire Morello. Comme ça, directement. C'est ce qu'a dit la presse, oui. Et c'est quoi le rapport? Ouais, pas de chance. L'enquête doit piétiner alors qu'il est, non? Pourquoi? T'as quelque chose de neuf pour moi? Ouais, ça se pourrait bien. Et tu veux quoi en échange pour ces infos? De l'argent? Ou bien une espèce d'immunité? Non, je m'en fous de ça. J'ai des personnes à protéger. Ah, la famille. C'est toujours le talon d'Achille, pas vrai? Bon, de qui on parle? Une vieille maman ou alors une femme et une chier de marmot? Ma femme et ma fille. Et j'imagine qu'il y a personne d'autre pour s'en charger. Je serai pas là sinon. C'est moche. Mon vieux disait toujours qu'un homme a besoin d'amis s'il veut survivre dans ce monde. Ouais. Bah, dans mon monde, c'est un peu l'inverse. Pourquoi je suis pas surpris? Bon, je peux rien promettre pour ta famille. J'ai d'abord besoin d'entendre ce que tu as. Donc, t'es prêt à parler? Ou t'attends simplement qu'il réplique pour te buter? Parce que tu crois que je suis en cavale? Oh, je le crois pas, je le sais. Merde, regarde-toi. T'es essoré, ça fait des jours que t'as pas dormi. Et tu vas te choper un putain de torticolis à force de regarder derrière toi. À vue de nez, je dirais que t'as quelqu'un de coriace et puissant à tes trousses, et pas du genre à abandonner, pas tant que tu respires. Tu passes cette porte sans moi, on sait tous les deux que tu fais pas 2 mètres sans prendre une balle. Mais si tu restes ici et que tu racontes ta jolie petite histoire, va savoir, peut-être que tu vivras assez vieux pour voir ta fille se marier. Dans tous les cas, je suis bon pour te payer un café. Putain, je sais même plus comment tout ça a mal tourné. Personne ne voit jamais rien venir avant que ce soit trop tard. J'imagine que t'es pas né dans le milieu, je me trompe? Non. J'étais taxi, ça remonte aux années 30. Je bossais surtout de nuit, ça rapportait plus. Ce jour-là, je venais de terminer. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur Polly et Sam. Où est-ce qu'on va? On s'en fout. Roule! Qu'est-ce que tu fous? J'ai un flingue pointé sur toi. S'il nous rattrape, on est mort, mais tu t'en sortiras pas non plus. Eh, je veux pas d'emmerde, moi. C'est un peu tard pour ça. Roule! Mais comment ils ont pu savoir qu'on serait là? On s'en fout maintenant, il faut qu'on les sème. Ah, on a combien de voitures au cul? Une seule. Mais ça va pas durer. Accrochez-vous, je vais tenter quelque chose. Oh putain.
C'était qui, ces gars? Tu poses trop de questions. Il faut traverser le fleuve. Prends le pont de Giuliani. Bon, d'accord. Ta jambe, ça va aller? Ça fait un mal de chien. Quand on rentre, j'irai chercher le doc. Je sais pas, ça va peut-être s'arranger. Ouais, bah c'est lui qui nous dira. Hé, hey, je te vois en train d'écouter le taxi. T'as pas le droit d'écouter. Non, j'écoute pas, je m'occupe juste de vous conduire où vous voulez. Continue comme ça. Bon, on est au fleuve. Où est-ce que je vous emmène après le pont? Tu m'emmerdes avec tes questions à la con. En voilà d'autres. Ah, merde! Ah, t'as dépassé les bords. Je connais des raccourcis, ça va les ralentir. Démerde-toi comme tu veux, mais s'aimer! T'as pas éteint ton panneau taxi ou quoi? Je dois te dire que t'es un sacré pilote, quand même! Ils ont dû faire passer le mot. Ils sont de plus en plus nombreux. On tiendra pas longtemps hors de notre territoire. Retournons dans notre quartier. Le pont est relevé, c'est ça? Ouais. On va y arriver. Putain, mais qu'est-ce qu'on fait? S'accrocher et prier. J'avais jamais fait ça avant. Moi non plus. Bon, maintenant, Little Italy. T'as pas fini ta course. J'ai rien vu venir. Tu crois qu'il a tout balancé? Je crois que tu devrais la fermer. Et qu'on en reparlera quand on sera au bar. Très bien. On approche. Gare-toi devant le bar. Le bar de Salieri? Ouais, celui-là. Attends ici. Pourquoi faire? Quoi? Tu veux pas que le Don te remercie? Ah! Ça, c'est pour te remercier de tes services et pour réparer ta caisse. Comme ça, on est quitte. C'est très généreux de votre part. Ouais. Don Salieri veut que tu saches qu'il est très reconnaissant. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, comme un prêt ou un travail honnête, hésite pas à demander. Le Don n'oublie pas ses amis. Ouais, ok, merci. Une dernière chose.
Cette histoire reste entre nous. Si on te demande d'où vient l'argent, tu l'as gagné au poker. Et pour l'état de ta bagnole, t'as juste fait une embardée pour éviter une vieille, pigé ? Ouais, pigé. À plus tard, petit. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai frôlé la crise cardiaque. Il y avait assez pour réparer le taxi, même pour en acheter un nouveau. J'ai repensé à Sam qui me proposait un travail. Ça m'intéressait pas. Il y avait du fric à se faire, c'est sûr. Je voulais pas fricoter avec des criminels. Mieux vaut être pauvre et vivant que riche et mort. Donc, pour moi, c'était clair. Je marchais pas. Après la virée nocturne avec les gars de Salieri, je me suis remis au boulot. Mais c'était pas pareil. Quand on est taxi, on passe pas mal d'heures avec ses pensées. Et avec les pensées des autres. Vous là, taxi. Oui, madame. Vous conduisez ou vous lambinez? Je conduis, madame. Je conduis toujours. Alors, on va où ? L'église Saint-Michaël, et vite ! Et soyez prudent. Je suis toujours prudent au volant. Vous seriez bien le premier. Alors, vous allez à l'église ? On est déjà dimanche ? Regardez la route, s'il vous plaît. Arrêtez-vous là, près du parc. Il conduit comme un dingue.
Et voilà, Saint-Michel. Ça vous fera 30 cents. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de fumer dans votre taxi. J'ai l'impression de sortir d'un cendrier. Ouais, d'accord, ouais, si vous le dites. Ces Italiens, tous les mêmes. Allez, là, il me faut une course. La galerie d'art, en vitesse. Ça roule, je connais ça, la vitesse. Vous allez vous balader? Ça vous regarde, peut-être? Non, pas vraiment, non. Juste pour parler. Je vous paie pour conduire. Contentez-vous de ça. Regardez-moi ça. Cette crise rend les gens paresseux. Ça leur donne une excuse pour rien faire. S'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Il y a toujours du boulot, faut juste le chercher. Ouais, je vois. Vous êtes un homme occupé. C'est vrai que ça se fait rare de nos jours. Je savais que la Grande Dépression nous tomberait dessus. J'ai donc pris certaines dispositions. Des dispositions pour profiter de la crise? J'ai un rendez-vous d'affaires avec un collègue. Enfin, qu'est-ce que vous y comprenez? Quand vous trouverez un vrai métier, vous saurez de quoi je parle. En attendant, contentez-vous de conduire. Ouais, ouais. J'ai pigé. Qu'on appelle conduire? On dirait que les flics veulent vous parler. On a besoin de renfort. Bon, on l'arrête. La galerie d'art, en vitesse. Ça roule, je connais ça, la vitesse. Vous allez vous balader? On regarde, peut-être? Non, pas vraiment. Juste pour parler. Je vous paie pour conduire. Contentez-vous de ça. Regardez-moi ça. Cette crise rend les gens paresseux. Ça leur donne une excuse pour rien faire. S'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Il y a toujours du boulot, faut juste le chercher. Ouais, je vois. Vous êtes un homme occupé. C'est vrai que ça se fait rare de nos jours. Je savais que la Grande Dépression nous tomberait dessus. J'ai donc pris certaines dispositions.
Des dispositions pour profiter de la crise? J'ai un rendez-vous d'affaires avec un collègue. Enfin, qu'est-ce que vous y comprenez? Quand vous trouverez un vrai métier, vous saurez de quoi je parle. En attendant, contentez-vous de conduire. Ah ouais, j'ai pigé. Garez-vous devant la galerie. Merci, l'ami. Voilà 50 cents. Allez pas tout dépenser d'un coup. Je vais essayer, ouais. Je tombe que sur des trous du cul, moi, aujourd'hui. Allez, au prochain. Vous avez une sale gueule. Eh ben, je bosse depuis 5 heures. Et vous, c'est quoi votre excuse? Je picole. Ça m'étonne pas. Bon, on va où? Little Italy, 21ème rue. Bon, je dis pas aux flics que vous puez l'alcool, et vous, vous leur dites pas pour les excès de vitesse. On fait comme ça? Marché conclu. Vous avez eu des bonnes courses aujourd'hui? Ouais, un peu. Mais on en a jamais assez. Les gens ont plus de fric pour prendre le taxi depuis la crise. C'est la merde. La seule raison qui fait que je prends le taxi, c'est parce que je suis saoul et que je suis faible. Les flics voient des poivreaux tous les jours. Ce qu'ils veulent, c'est ceux qui refourguent. Certains sont allés en cellule pour moins que ça. C'est clair. S'ils peuvent vous prendre le peu que vous avez, ils le feront. Cette vie est rongée par la corruption. C'est ça. On y est presque. Continuez jusqu'à l'angle, s'il vous plaît. Hey, mon cousin a un stand de café pas très loin. Dites-lui que Lucio vous envoie. C'est d'accord? Merci. Je le ferai peut-être. C'est quoi ce... Salut mon pote, tu te souviens de moi? Hein? Hein? Monsieur Morello est pas content. Qu'est-ce qui t'a pris d'aider les types de Salieri, hein? Maintenant, je vais devoir te dérouiller, pour pas que t'oublies qui c'est le boss de cette ville. Après ça, tu tricoteras plus des guibolles comme avant.
J'aime bien ce gars. Pour une fois, on s'amuse. Allez, on se le fait. Vite! On veut juste papoter, taxi! Ouais, bordel! On avait dit rendez-vous à 3 heures! On est là! La ville est à nous! Tu peux rien faire! Y'a pas le temps de se faire tabasser sans bouger! Regarde là que je te prenne! Bonnes affaires! Approchez, approchez! Il attend de l'autre côté de la ruelle! Merci. Dino, Lou, vous venez voir le Don ? Non, non. On voulait juste parler au chauffeur, là, c'est tout. Ah ouais ? Ouais. Eh ben, c'est le chauffeur préféré du Don. Donc, si vous voulez lui dire quelque chose, vous passez par moi. Vraiment ? Ce qui est sûr, c'est qu'on repartira pas d'ici, les mains vides. Et peut-être même que vous allez pas repartir du tout. On en reparle plus tard. Viens, Lou. Merci. On te devait bien ça. Allez, viens. On va parler au Don. Don Salieri ? Ouais. Ça risque de l'intéresser, cette histoire. Tu t'appelles comment ? Thomas. Thomas Angelo, monsieur. Franck me dit que tu as eu des soucis. Ouais, monsieur. Mon taxi a salement morflé. Les gars de Morello s'en sont pris à lui, parce que Tommy nous a aidés. Ce taxi, c'est ton gagne-pain ? Oui, monsieur. Je me sens un peu responsable, tu sais. Donc, je te propose un petit prêt, juste de quoi retaper ton taco. Écoutez, je vous suis très reconnaissant, mais je suis pas là pour l'argent. Alors de quoi on parle ? Je veux juste pouvoir me faire les salauds qui ont défoncé mon taxi. Ah ! T'entends ça, Franck ? Le môme veut ma permission pour aller se castagner. Oui, j'ai entendu. Ok, Tommy Angelo. Tous les gorilles de Morello se retrouvent dans son bar. Polly, tu vois où c'est ? Bien sûr, boss. Bien, tu peux accompagner Tommy. Il y a un parking à côté du bar où ils gardent leurs caisses. Va donc en défoncer quelques-unes pour passer le message à Morello. J'y crois qu'il peut s'en prendre à des types honnêtes de mon quartier. Il se trompe. Merci, monsieur Salieri. Je vous décevrai pas. Et Tommy, à ton retour. On parlera de la suite pour toi. Personne ne sait que t'es là.
Alors vas-y doucement. D'accord? Ok. Ça y est, le boss a fini? Non. T'as pas fini de t'écraser l'arrêt. C'est qui, le nouveau? Un taxi. On lui donne un coup de main. C'est lui qui va conduire le boss? Non. T'es pas prêt de perdre ton poste. J'ai horreur d'attendre. Je me fais chier comme un rat mort. Si le boss dit que t'es pas encore prêt pour relever les compteurs, c'est que t'es pas prêt. Le chauffeur de taxi, tu te souviens? D'après toi, il va faire quoi pour... C'est... Ah, c'est pas à moi qu'il faut demander, Carlo. J'ai pas de réponse à te donner. Reviens plus tard avec Polly ou Sam. Le bar est fermé pour toi. Désolé. Bon, je te laisse. Faut que je file. Bon, viens par là. Je vais t'emmener voir Vinny d'abord. Il est jamais content, mais Frank et le Don le connaissent depuis toujours. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, on va le voir quand on a besoin de... matériel. Il est toujours là pour nous équiper en cas de pépin. Le Don apprécie de faire des affaires avec vous. Et nous, on apprécie son argent. On va y aller. On a une longue route qui nous attend. Rien qu'en venant ici ce matin, j'ai eu l'impression... Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Non, regarde-moi cette beauté. C'est qui, lui? Vinny, je te présente Tommy Angelo. Lui et moi, on est sur un coup. D'accord, très bien. Hey. Il vous faut des mitraillettes, des flingues? Non, il nous faut juste de quoi caresser 2-3 caisses. Oh, j'ai pile ce qu'il te faut. Classique, mais toujours efficace. Boum! Si la batte te convient pas assez... quelques cocktails par ici. Aïe, aïe, aïe. Fais gaffe avec ces trucs. Va pas te cramer les cheveux du bas. Ravi de te rencontrer, Tom. Dis-moi si Polly te casse les couilles. Je m'occuperai de lui. Reviens me voir plus tard si les gars t'ont pas dégoûté du boulot. Je te trouverai un fils au garage. Il est un peu con. Mais bon, il est bon avec les caisses. Je sais pas comment il fait, ce débile. Mais les bagnoles ronronnent avec lui. C'est presque de la magie noire. Hé, hey, l'artiste! Alors, on n'en fout pas une secousse? Merde, Polly. Ça va pas te faire peur aux gens comme ça? Ah, je suis... Bonjour à tous et à toutes. Je vois que tu boites toujours. Ça veut dire qu'on a 2 éclopés qui bossent ici. Je suis pas comme toi. Tu piges, Ralph? D'accord, Polly. Ouais. Tommy. Tommy Angelo. Salut. Comme je te le disais, alors c'est un jeu de mafia. Comme le nom l'indique. Si tu lui apportes une caisse volée, il la maquille, Lico. Tom et moi, on a un boulot à faire. Et on a besoin d'une caisse. J'ai celle-ci. Et c'est le premier épisode. C'est pas un bolide de course, mais elle fait le taf. Ok, on y va. Tu conduis. Et que je te reprenne plus jamais en train de rien foutre. Un jour, je vais saboter ta caisse, salopard. Je sais pas ce qui lui prend à Ralph de nous fourguer cette bagnole. Moi, je voulais te montrer un peu comment on flambe, et toi, tu conduis une tire que ma mère aurait pu acheter il y a 20 ans. Connaissant Ralph, il a dû la voler dans son jardin. Ça va, franchement. C'est pas désagréable de changer après le taxi. Pas la peine d'être poli. Cette caisse est une poubelle. Sinon, c'était des whisky dans le camion tout à l'heure? Ouais. Nouveau fournisseur. Et vous trafiquez au grand jour?
Normalement, non. Mais c'était la première livraison, et les flics viennent pas fouiner sur notre territoire. Morello, le type qui possède les voitures que tu veux cramer, il a plus d'amis dans la police que nous. Mais tant qu'on reste prudent, on craint rien. Suffit de pas jouer au con. Tu sais, pour le whisky canadien qui circule, si t'en veux une bouteille, dis-le-moi. On en stocke pour la famille. Ah, je bois pas beaucoup de whisky. Avant, je tournais au gin de contrebande, mais c'est fini. Ce truc-là, c'est pas bon pour moi. Ah, mais avec ces whisky, tu risques pas de devenir aveugle. C'est de la qualité supérieure. C'est bon à savoir. Merci. C'est pas seulement la qualité de l'agneau, là. C'est l'endroit où tu la livres. Ces dames raffolent de ces endroits. Les meilleures tables, la meilleure bouffe, les plus belles poupées. Ça, c'est la belle vie. Waouh, bon nom. Hey, c'est leur caisse qu'on va massacrer aujourd'hui. Pas assez de poubelles. Pour le moment, je veux juste ruiner la vie des salopards qui ont ruiné la mienne. Ouais, je comprends. Excusez-moi pour ce... Puis, c'est un coin à se retrouver dans les embrouilles. C'est le type qui s'apprête à foutre le feu au parking de Morello qui me parle d'embrouilles. T'es là pour me protéger. Ça va aller. Si ça tourne mal, essaie de pas montrer ton visage. Ou alors tabasse-les jusqu'à leur faire oublier ta tronche. Bon, on arrive sur le territoire de Morello. Et c'est quoi la frontière entre ces rues et celle de Salieri? C'est pas clair. Chacun prend les rues qu'il peut. On peut dire qu'on est plus sur Little Italy et que Morello est plutôt sur North Park. Après, ça dépend. Si tu marches sur le mauvais trottoir, dans le mauvais coin de la ville, t'auras comme l'impression qu'on te regarde de travers. Tu le sentiras bien avant qu'ils postent leurs hommes aux quatre coins des rues. On y est presque. Les gars de Morello fument et taillent le bout de gras devant. Et ils laissent leur caisse derrière. Une belle bande de feignasses. Il y a toujours un guignol qui est de garde. Mais c'est vraiment un débile profond. Allez, par ici. Faut qu'on entre discrètement et qu'on défonce les bagnoles. Pour envoyer un message. Ouais. Attends, pourquoi tu viens? Bah, pour voir si tu vas te faire buter. On fait ça sans bruit. Tu sais ce que ça veut dire, sans bruit? On fait plus de missions. Et il utilise ses gars habituels. Ouais, comme ça. Tout reviendra, t'inquiète. Si personne voit nos tronches, personne cherche à nous descendre. Passe cette porte et monte sur le toit. Je vais occuper ce guignol pendant que tu te fais filer derrière et que tu me règles ce compte. Je suis un expert en diversion. C'est ma spécialité. Montez sur le toit du garage. D'abord. Il y a une fois où j'ai eu l'occasion de l'approcher.
s'occupe des voitures. Prends ta batte et prépare-toi à cogner. Je vais pas le faire pour toi. Beaucoup cette gueule, hein? Elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Et merde! Hé, hey, t'approches pas de cette voiture! T'es déjà mort! Fais le taire, toi! T'as envie de mourir, on dirait, hein? Et voilà le travail, tu vas pas lutter. Merde! Putain! Allez, dépêche! Il va encore appliquer! Prends un cocktail Molotov! Ça va chauffer. Ouais, ça, c'est bien envoyé. Ouais, les gars de ont entendu ça. Tout le quartier est là. Sors une bouteille, allume et balance. On bouge. On peut prendre la voiture de Dino. Comment tu sais que c'est la bagnole de Dino? Si je t'aime pas et que t'as une caisse qui en jette, crois-moi, je sais où tu la gardes. Il y a des véhicules en feu signalés à North Park. C'est pas loin de chez Morello. Il nous faut des renforts. Là, l'ancienne, c'est tout ce que j'aime. Fonce dans le portail. On a intérêt à foutre le camp avant que les flics se pointent. Et nos canards. Regardez pas ce qui roule. Revenez ici, roule. Bande de salopards. Les agents l'ont repéré, poursuite en cours. Oh merde, c'est les flics. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on accélère et on les met à bonne distance. Ça me va. Ils sont sur les nerfs, alors essayons de pas en rajouter. Bon, on les a semés. Reste hors de leur vue un moment. Fais gaffe, ils nous cherchent toujours. Annulez les recherches et reprenez les patrouilles. C'est bon, on peut rentrer voir le patron. Je croyais que les flics avaient Salieri à la bonne. Les agents de circulation, ouais. Mais c'est Morello qui connaît le chef. Alors, ça t'a fait quelque chose? Tu ressens quoi? À propos de quoi? De liquider ce type? De voler la caisse de Dino? Ça t'a fait du bien? Ouais. Je crois que ouais. La première fois, c'est vraiment quelque chose. Ça sera jamais aussi bien après. Alors, tu penses que c'est une vie pour toi? T'en penses quoi, toi? Oh, c'est moi qui pose des questions. J'adore ça, les questions. Ça m'étonnerait que toi et Sam sortiez tous les jours défoncer des voitures sur les parkings. Oh, tu sais, il y a des jours où on se fait un peu plus chier que d'autres. T'as eu droit à un sacré baptême du feu, mon gars. T'as jamais eu à massacrer les hommes de Dino et voler sa caisse? Non. J'ai tiré à cette caisse pour me faire remarquer. Et quand je me suis fait serrer par les flics, j'ai rien dit. Et puis un jour, en tôle, je me retrouve dans la cour à tailler le bout de gras avec Vincenzo. Et 10 ans après, je suis toujours là. Même si maintenant, je mets un costard et que Vigny est devenu un vieux salopard. Je croyais que quand t'étais dans une famille, t'avais plus de... de connexion. Ton frère, ton oncle ou ton... Non, pour certains, ouais, c'est le cas. Leur cousin est affranchi, ou alors il y a Carlo, dont le père connaît le Don depuis toujours. Ça veut dire qu'on te fait confiance dès le début. Et il y a aussi plein de types comme nous qui viennent de la rue. Ben, je me dis, après avoir parlé au boss, on pourrait s'en jeter quelques-uns. J'ai rien de mieux à faire. Évidemment que t'as rien de mieux à faire. On peut pas faire mieux que de bourrer la gueule de Vinny jusqu'à ce que Luigi le foute dehors en le faisant rouler. Ça me plaît bien, ça. Bah ouais, mon con. Elle est où, la caisse que je vous ai donnée? On l'a larguée. Mais pourquoi? C'était un veau.
celle-là est mieux. Une meilleure voiture avec une vitre cassée? Dès qu'on a fini le dernier chapitre, on en a fait 3. On clôturera cette première vidéo, ce premier épisode de Mafia. Là, ça fait déjà quasiment une heure qu'on est ensemble. Et nous nous retrouverons prochainement sur la chaîne pour la suite de l'histoire. Ça y est, boss. C'est réglé. Des problèmes? On s'est occupé des problèmes, monsieur Salieri. Bien, bien. Asseyez-vous. Vous avez vu Morello? Non. Mais il va être fou quand ces gars vont lui dire ce qui s'est passé. Je le connais. Ça va l'obséder pendant des semaines. Vous voyez? C'est ça la différence entre moi et Morello. Je suis un businessman. J'utilise ça pour réfléchir. Quand je prends une décision, je pense surtout au business et à mes gars. Mais Morello, c'est un sanguin. Et toute cette rage, ça te crame la cervelle. Quand il s'énerve, il devient crétin. Pour ça, vous pouvez être tranquille avec Tommy. Il a été parfait de A à Z, boss. Ravi de l'entendre. Mon business marche bien. On aurait besoin d'un gars comme toi pour nous aider au bar. Faire quelques courses, s'assurer que les factures sont payées. Ça t'intéresse? Oh, ce sera un honneur, monsieur. Bien. Bien. Bon, Polly et Sam te font déjà confiance, mais tu dois comprendre qu'il y a un certain nombre de règles ici, alors écoute bien. Primo, on surveille son langage ici. On dispose d'un million de mots. C'est pas pour en rester à putain et fait chier, comme un abruti de feignasse. Deuxio, personne ne deal de cam. Je veux pas de règlement de compte à cause de la drogue. On laisse ça à Morello, si ça l'amuse d'empoisonner ses gars. Et enfin, te fais jamais repérer par les flics. On peut arroser quelques bourgs. Mais si tu fais le guignol, tous les autres rappliqueront. T'as pigé? Oui, monsieur Salieri. Alors, il me reste une dernière chose à te dire, Tommy. Je garde pas Polly et Sam juste parce qu'ils sont balèzes. Des gars costauds comme eux, on en trouve à l'appel. Et si Franck est là, c'est pas parce qu'il est malin. Même si c'est un magicien des chiffres. Tous ces gars, dans cette pièce, ils sont là parce qu'ils ont la seule chose qui compte à mes yeux. La seule chose qui doit compter à nos yeux. Tu sais ce que c'est, Tommy? La loyauté. Voilà. Si t'es réglo avec moi, t'auras la belle vie, Tom. Mais si tu trahis ma confiance, là... Don Salieri, vous avez pas à vous inquiéter de ça avec moi. Très bien. Bienvenue dans la famille. Excellent. Bon, j'ai faim. Luigi, on mange. Bienvenue. Luigi, le barman, c'est pas vraiment un chef. Mais sa fille Sarah, Marrone. Voilà, mes chers amis. On a fait 3 chapitres et c'est ainsi que cette vidéo va se terminer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va sauvegarder, bien entendu. Prochain épisode de Mafia aura lieu très très prochainement sur la chaîne Twitch. Le premier jour chez Salieri, il se passait rien. Faire pause. Je déplaçais des caisses. Je transmettais des messages. Les types se charriaient et racontaient leurs souvenirs. On attendait. Je commençais à croire que bosser avec Salieri était pas si dangereux. Clairement, j'avais tort. C'est toi, Tommy? Allez, t'emportes du jus. Chope-le à nouveau. Voilà. Alors. Option. Est-ce qu'on peut quitter? Reprendre la partie, sauvegarder et
Ok. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura duré un peu moins d'une heure. C'est exactement ce que j'avais prévu. C'est très très bien, une vidéo d'une heure. Comme ça, au moins, ça permet à tout le monde, et notamment moi-même, de pas jouer trop longtemps au jeu. Donc voilà. La prochaine vidéo, je pense, sur la chaîne Twitch, sera F122. Je pense que je vais la faire d'ici peu. La prochaine course en mode My Team. Et bien évidemment, elle sera diffusée, elle sera en direct sur Twitch et elle sera repostée sur la chaîne YouTube qui est associée à la chaîne Twitch, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en bio sur mon dans mon profil Twitch, pardon. Donc voilà. Donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu. En tout cas, c'est très très captivant cette histoire. Nous la continuerons très très prochainement. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Vive les jeux vidéo. C'était Alex et on se retrouve très très prochainement pour une prochaine vidéo qui aura lieu sur F122. Sur ce, bonne soirée. Ciao ciao.